aujourd'hui dans Les Trésors du coin, plein phare sur le beffroi de Lille. Ah, le beffroi de Lille. Oh, c'est 104 mètres, c'est 400 marches et son classement au patrimoine mondial de l'UNESCO. Tout ça, on sait. Mais saviez-vous à quoi ça sert, un beffroi? Et puis ce mot, ça vient d'où? Alors il viendrait de l'allemand Bergfried, ja, qui garde la paix. Et paradoxalement, durant l'époque romaine, ce terme désignait une tour mobile en bois permettant de franchir les fortifications d'une cité. Vous imaginiez ça avec notre beffroi de plus de 8000 tonnes? Grâce à ses cloches, le beffroi était un véritable instrument de communication. Il indiquait le temps, il guidait et alertait les populations. En fait, c'est un peu l'ancêtre de notre smartphone, non? Et d'après vous, à quelle époque on l'a construit? Eh bien, sa construction a débuté en 1929 et elle a duré 3 ans. Et pendant ce temps, du côté de Leeward, on inaugurait la fosse des Lois d'une profondeur de 380 mètres, soit 3 fois la taille du beffroi. D'ailleurs, cette année-là, à raison de 1000 tonnes par jour, on extrait environ 300 000 tonnes de charbon, soit plus de 37 fois le poids du beffroi. À son inauguration en 1932, on l'appelait le gratte-ciel en Flandre. Un rapport, peut-être, avec son American cousine, l'Empire State Building, construit au même moment et légèrement plus grand. Whatever. Mais en 1932, un beffroi, est-ce vraiment utile, franchement? Eh bien oui, il faut dire qu'à cette époque, les nuits lilloises étaient très ensoleillées. Le phare du beffroi éclairait le ciel jusqu'en Belgique et était visible jusqu'à la mer du Nord. Une lumière sur le beffroi. Mais pourquoi un phare en pleine terre, en fin de compte? Le phare qui est en haut, c'est pas pour guider les péniches, non? Il nous mènerait pas un peu en bateau, celui-là? Il servait aux aviateurs la nuit, mais avec la guerre, on l'a vite éteint. Et puis en 2000, la ville a entamé un important travail de maîtrise d'énergie, et désormais, le beffroi embellit nos nuits de sa douce lumière. Ok, donc, après la guerre, en gros, un beffroi, ça ne sert plus à rien. Eh ben, pas tout à fait. En 1950, c'est une antenne de télé. Télé Lille voit le jour et installe son studio tout en haut du beffroi. Et Télé Lille a d'ailleurs permis aux nordistes de pouvoir voir la première édition de l'Eurovision. Événement télévisuel incontournable. Bon, enfin, à l'époque. Et ce beffroi et son phare, on le voit jusqu'où? Le flash lumineux du beffroi est visible depuis Rimbaucourt, Fresnes-les-Anvins, Zonebeck et Mont-Bernanchon, soit 30 km à la ronde. Des patelins que tu connais, j'en suis sûr. Et si tu es chanceux, tu pourras l'apercevoir situé dans le coin de la rue du Bachoubrouck à Morbecque. D'ailleurs, là, tu vois, c'est nous. Petite anecdote, sache qu'au pied du beffroi, il y a 2 statues, Lydric et Finart. En fait, tu penses qu'ils sont copains? Mais c'est tout, sauf des amis. Une sombre histoire de défi et de vengeance en 640 a amené ce Lydric à tuer Finart et obtenir ainsi les clés de la ville. Enfin bon, histoire close, aujourd'hui le beffroi, c'est 80 à 100 visiteurs par jour. Et si on reporte ça à la population de la ville, il faudrait 2508 jours non-stop de visite pour que tous les Lillois puissent voir ce magnifique monument de la ville de Lille. Allez, allez, j'espère que tout ça vous a plu et puis moi je vous dis à la prochaine. Justement, la prochaine fois, on parlera de la Porte de Paris qui est située juste à côté du beffroi, justement. Allez, à bientôt.